Circuit technique aujourd'hui avec les U6-U7, donc U6-U7 garçons et filles. Comme vous voyez, un petit circuit technique avec des postes essuie et la conduite de balle. Donc on commence par une échelle de coordination. Donc avant de faire l'échelle de coordination, on fait une passe intérieure du pied. Ensuite, un pas entre chaque latte de l'échelle de coordination. Pour faire un deuxième atelier, l'atelier des cerceaux, donc coordination des cerceaux. Donc dans les cerceaux à gauche, on pose le pied gauche, dans les cerceaux à droite, on pose le pied droit. Donc là, c'est pour travailler la coordination, mais aussi l'équilibre. Ensuite, dès qu'on reçoit le ballon de son partenaire, on va faire de la conduite de balle entre les coupelles. Arrivé à la fin du petit parcours de conduite de balle, on doit finir dans le petit but, bien sûr, de l'intérieur du pied. On ne fait pas une frappe coup du pied, on est là pour travailler aussi la passe. Ensuite, fait une passe à son partenaire fait un contrôle et effectue un slalom entre les plots. À la fin du slalom, on continue l'exercice de passe pour son partenaire et on tourne comme ça pendant un certain temps en apportant des variantes durant ces 15 minutes d'exercice. Donc là, c'était un exercice technique pour avoir la maîtrise du ballon proche du pied. Premier exercice, ils doivent passer le ballon en dessous les deux haies et passer au-dessus des haies en sautant. Deuxième exercice, on a utilisé les démarcations zone claire et zone sombre du terrain synthétique. Ils doivent longer la ligne jusqu'à la coupelle bleue. Troisième exercice, ils doivent faire le tour des deux cerceaux, donc le ballon reste toujours proche du pied. Ensuite, ils doivent faire le petit slalom et enfin terminer sur le petit but. Donc, l'intérêt des circuits, c'est de travailler à la fois la motricité, la conduite de balle et la passe.